一心様、戦場がまた現れるとエマは案じておりますね。エマよ。はい。源一郎がいずれ現れるであろう。不思議のもう一振り、それを使うためにな。アシナを守るためならば、己の全てを投げ打たれるつもりでしょう。我が孫の命の覚悟を。じゃが、九郎の血を使わせるわけにはいかん。刃を振らえるのも、あと一歩だか。この先まで、手はしまいや。あのお方のみな。セキロか。仏頂面だが、どこかに行くのに、あやつは一気にも面白い。¿Quieres conservar esto? Así es, por ahí. Creo que no le funcionó mucho. Y no le hice mucho caso, solo que este avanzó así y Toshi fue. Se quedó así. De fuego. Y ya se acomodó y se quedó así. Fue solitario. ¿Ya lo tiramos? Ya. Bueno, pásamelo. Solo para voy a intentar. ¿Papá tiene algún ficel para que te llevo eso? ¿Un ficel para que yo. ¿Un ficel? Algo así. Que yo hago eso y yo hago. Ah, sí. ¿Se sabe dónde era? ¿Como cordón? Ah, no, un cordón. A ver, ahora que me chingue. Ah, oui, putain, oui, pas me chingue, mais. Oh, tu vois, ah, oui, ça. Creo que su favorito ha sido este. Oh, está. A ver, sí. Ah, ya por fin,
y le mató.
Meuble, on va noter le meuble.
Je sais que peut-être tu tombes à l'école. Me connaissant, et que si tu me connais vraiment, je pense que oui. Vraiment de quoi que tu... J'aimerais d'échanger la petite table de l'entrée pour l'autre, pour tenir deux pièces de zapatos. Ouais. Si? Ouais. Ok. Pour que esa cosita se le regrese a Alexis, porque ella la había... Bueno, yo le dije a mamá que la quería, pero a mi mamá se le olvidó y le dijo a Alexis que sí se la regalaba, pero finalmente me la había dado a mí. ¿Te la había dado a mí? A mí me la había dado mamá. Ah, oui. Entonces, a la mamá le tuvo que decir a Alexis que ya no, que no la había dado. Pero ahora se la voy a regresar. Oui, tu veux dire que ça te dérange pas de le passer. Eh? Non, tu n'as aucun problème pas le passer avec toi. Hein? Non, la voy a quitar. Vas a la quitar porque tu préfères la rester ou? Porque prefiero el de plástico que tiene más espacio que el otro y realmente no me importa que sea de plástico. Non, non, c'est pas que je m'en bats les couilles, mais oui, je pense que quiero l'espace c'est plus à. De así mueblecitos, lo más que se puede. Ouais, vas-y. De hecho, cuando este se vaya, ouais, ya no voy a tener este. Solo voy a tener la caja. Y la otra caja, donde voy a echar todo eso. Sí. Voy por la otra caja para echar esto. Ay. O te dimos todo. Les fils de pute, ils l'ont tué. Me lo llevo? Hein? Me lo llevo? Ouais. Pero ya no te lo tomes. Ah, je savais pas. Oui, ça te va, ouais, comme ça.
殺し踊ったのを。よりにもよって敵は泣いてるじゃ。爺様が倒れちまったら一気に負けちゃうよ。しかしちゃんと銭が出るのかのう。逃げるとしても財布が軽くてだな。Attends, un peu de ¿Qué fue ese? ¿El ratón? El rojo, sí.
côté, le Real Madrid veut avant tout qu'il puisse avoir du temps de jeu pour progresser et l'option AC Milan, où Brahim Diaz a évolué avant de revenir, plaît beaucoup aux dirigeants madrilènes. De son côté, le FC Barcelone est en plein flou. Le club catalan a encore perdu du point hier soir contre Grenade 3 partout. Les Blaugrana sont distancés pour la Liga. Avec le départ programmé de Xavi à l'issue de la saison, la direction catalane lui cherche un remplaçant. Comme le relais, le journal Sport, le technicien du Sporting, Ruben Amorim, a tapé dans l'œil de la direction et en particulier de Deco, le directeur sportif des Blaugrana. Le Barça aurait déjà sondé l'idée de l'installer sur le banc l'été prochain, mais sa clause de départ de 30 millions d'euros est un obstacle majeur. Barcelone n'ayant pas une grande marge de manœuvre au niveau économique, ne compte pas payer pour s'offrir un entraîneur. Tiré de l'AS Roma le mois dernier, José Mourinho est annoncé un peu partout ces derniers jours. La dernière rumeur en date l'envoie au Bayern Munich. Alors que Thomas Tuchel semble menacer avec un point d'orgue l'allant de défaite contre Bayer Leverkusen ce week-end 3-0, dans cette optique et selon les dernières informations du quotidien Bild, l'option Bavarois n'est clairement pas exclue pour le péché à l'envers. Le journal allemand rapporte également que le portugais apprend la langue de Goethe, au cas où Mourinho se tient prêt à débarquer en Bavarie. Découvrez la nouvelle image de Corumain. D'ailleurs, l'entraîneur du Bayer Leverkusen ne cesse d'attiser les convoitises. Avec sa superbe saison en Bundesliga, Xabi Alonso est en train de se forger de solides réputations et se retrouve désormais annoncé à la tête des plus grandes écuries européennes. Malgré les rumeurs circulant à son égard, la direction du Bayer reste confiante à l'idée de le conserver au-delà de l'exercice en cours. J'en suis certain, le contrat c'est une chose, mais le confort qu'il éprouve c'en est une autre. Il sait que nous aurons une équipe au top la saison prochaine, a livré le directeur sportif du Bayer, Simon Rolfe, à l'émission de télévision allemande Doppelpass. L'aventure de Calvin Phillips à Manchester City s'est mal terminée. Recruté contre 50 millions d'euros à Leeds United, le milieu de terrain ne s'est jamais imposé chez les Sky Blues. Pour cause, l'anglais a régulièrement été critiqué par le coach mancunien Pep Guardiola, qui lui a souvent reproché sa condition physique loin d'être optimale. Des critiques qui ont été difficiles à vivre pour l'intéressé, comme il l'a confié dans un entretien à The Observer. Après la Coupe du Monde, c'était le plus dur quand Pep a dit que j'étais en surpoids. Il avait raison de le faire, mais ça aurait pu être différent. Ses paroles m'ont beaucoup affecté. Elles ont porté un coup dur à ma confiance. Elles ont également blessé ma famille, ma mère ne voulait même pas regarder les matchs de l'équipe. Si je n'étais pas parti cet hiver, je n'aurais eu aucune chance d'aller à l'Euro à la fin de la saison. On rappelle qu'Alvin Phillips est prêté à West Ham jusqu'à la fin de la saison. En Espagne, le cas Sergio Ramos met le feu aux poudres. Après une première partie de saison désastreuse et une position de relégable, le CBSC relève peu à peu la tête et Sergio Ramos n'est pas étranger, comme en témoigne son match solide contre l'Atlético de Madrid ce week-end 1-0. Du haut de ses 37 ans, il prouve qu'il a encore le niveau pour évoluer dans l'élite du football. Avec de telles prestations, le défenseur central toque à la porte de la sélection pour l'Euro au jour prochain. En tout cas, il a clairement posé sa candidature. Je lui passe le bonjour. Nous, les joueurs espagnols, on travaille toujours pour aller en sélection. Le sélectionneur devra décider. Il a une quantité de joueurs importants parmi lesquels décider, a-t-il répondu au micro de El Chiringuito, alors que Luis de la Fuente était présent dans les tribunes de Sanchez-Pizjuan. Des nouvelles de Leonardo Bonucci après une aventure ratée du côté de la Bundesliga et de l'Union Berlin. L'Italien a rejoint Fenerbahçe en début d'année. Le week-end, il s'est illustré, mais pas de la bonne manière. En effet, le défenseur central a poussé un adversaire dans le couloir alors que son équipe perdait 1-0 contre Alanya Sport. Un geste qui a provoqué la colère de l'entraîneur. C'est des coups de frère pour rien du tout. Allez, viens.
Ok. Oh, pour le coup, c'est bon. C'est complètement la sens. Toi, tu ramènes ton cul là, j'ai besoin que tu ramènes ton cul ici. Le gardien de l'équipe adverse, Metin Akdas, l'altercation entre les deux hommes et qui en sont venus aux mains, a suivi avant qu'il ne soit difficilement séparé grâce à l'intervention des autres joueurs et du staff des deux équipes. Bref, Bonucci ne démarre pas son aventure turque de la meilleure des manières. Comme tous les lundis, c'est l'heure du top leader européen lors de la grosse défaite du Bayern Munich ce week-end. Harry Kane est resté muet. L'Anglais reste tout de même en tête de ce classement avec 24 buts en 21 matchs. Juste derrière, on retrouve Kylian Mbappé qui reste qualifié de 20 buts en 19 matchs alors qu'il a été préservé ce week-end. Le podium est complété par le buteur de l'AZ, Aksnar Vangelis Pavlidis. Buteur grec de 25 ans a inscrit 20 buts en 21 matchs. Oh là là, mais non, Lautaro Martinez dialogue qu'un match de plus arrive 6ème. Juste derrière, Luc de Jong arrive 7ème. Il a marqué 18 buts en 21 matchs depuis le début de la saison. Revenu de la 4ème, c'est aussi un tir pour conduire un de plus et qui a délivré le but. Et un fils de même 17 buts en 15 matchs. C'est un peu mieux qu'il y a eu en 21 matchs. Enfin, le 7ème, c'est un tir pour conduire un de plus avec 17 buts en 25 matchs dans le championnat écossais. On va évidemment parler de la gagne de la Côte d'Ivoire à domicile à la fête de l'Ivoire. En finale, notre journaliste a dit que la non. La remise du trophée, c'est l'image du jour, les amis. Ah non, le jeu, il fait complètement de bon sens, c'est pas grave, c'est tout ça. Putain, le tabaron, et il est en train de me saouler, mec. Il est en train de me saouler, il est archi le tir, c'est bon.